bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss and Mister à peu près. Aujourd'hui, me voilà sur le secteur de Tapona. J'étais venu pour faire une pêche au flotteur plat, mais la saune a monté. Donc, à 13 mètres, il y a à peine 3 mètres de fond, parce que ça descend et après, il y a la cassure. Je voulais pêcher dans la cassure, mais elle est vraiment trop loin. Du coup, heureusement, j'avais amené une cache feeder. Heureusement, j'avais amené une canne feeder, 120 grammes, la slim distance. Et ben, je vais m'amuser avec. Je vais faire une amorce bien jaune qui nuage bien avec un paquet d'étang pour que ça travaille au fond. Je vais mettre un peu de terre pour que ça colle bien au fond et puis en avant pour la pêche. Je vais vous faire voir tout ça. Je vais la mouiller une première fois. Vous inquiétez pas, je baisserai le son. Bon, vous voyez, la terre, hein, ça fait bien coller. Hein. Bon, je vais la laisser gonfler un peu, et puis je la tamiserai. Bon, bien voilà l'amorce tamisée. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'à... Elle va bien chemiser. Bon, alors... Une cage de 80 grammes, une Daiwa. Je vais essayer ça. 70 grammes comme ça, 70 grammes pôle, celle-ci elle est un peu lourde, 100 grammes, mais en balançant doucement ça devrait passer, on va voir. Déjà, on va voir où est la cassure. Alors je vois qu'il y a une frisette là, c'est-à-dire qu'on voit comme une la limite d'un, pas du courant, mais on voit qu'il y a quelque chose. Je vais essayer d'aller là-dedans pour voir, là, c'est à 20 mètres je pense. Voilà, déjà il y a des herbes. Oh là. Bon, ça c'était une 80. On va essayer avec la 100 comme ça. Bon, on dirait que 100 grammes ça tient bien, mais j'ai pas trop envie de pêcher avec 100 grammes. Parce que le problème, c'est qu'il va falloir aussi ramener le poisson et sauter la cassure. Allez, on va essayer avec plus léger. Ouais, 50, c'est pas une bonne idée. Hein. Bon, du coup, je vais pêcher moins loin. Je vais essayer moins loin. Et puis, utiliser une cage de 80, parce que la cage de 100, ça me plaît pas. Secondes à la descente. Je pense que je dois être pile derrière, pile devant la cassure. Ça glisse un tout petit peu, mais ça va. Je vais aller mesurer maintenant. Donc je vais balancer une dizaine de cages et je vais les compter avec le compteur. La première. Bon ben, dur dur, hein. J'ai changé le bras de côté, j'ai changé de cage, de bas de ligne, je me suis fait démonter deux fois à la touche sur du 16 centième et j'ai pris 4 gardons et une plaquette. Voilà, allez on continue. Hein. Bon ben alors je vais essayer malgré tout de pêcher avec une cage de 50 grammes que je vais laisser glisser jusqu'à ce qu'elle se cale. Et on va voir si ça change quelque chose parce que là en fait j'ai 6 poissons. Bon, je viens de faire la pause casse-croûte. Je vais essayer de pêcher en faisant rouler la cage. J'ai
j'ai mis des morceaux de pain écrasés, des rubis dans l'amorce, je balance une cage toutes les 2 à 3 minutes, je mets un peu de maïs aussi, et puis des asticots multicolores. Bon ben voilà, il fallait que je me plaigne pour qu'elle arrive. La première plaquette. Voilà. Allez, elle est empaillée dans le. Je la décroche et je vous la fais voir. Ah ben voilà. La première. Bon ben voilà, j'ai trouvé un peu le réglage qui me convenait. J'ai changé le support de canne de côté. Je l'ai mis vraiment plus haut. Parce qu'en fait, je raclais la cassure qui est là, quelques mètres devant. Et puis, il y a enfin, soit des branches ou un arbre avec des branches, là. Et je ramène les branches. Et le fil, en fait, se prenait dans les branches ou la cassure. Donc, quand je fais arrêt, voilà, ça tapait là-dedans. Voilà. Bon, mais j'ai fait 9 poissons, dont 3 brèmes, là, pour l'instant, en 2h30. C'est pas évident, mais bon, je suis pas le capot, hein, moi, je suis content. Ah, la pêche, c'est bien. Oh la pavasse, oh la pavasse, ah, regardez-moi ça, oh là là. Ah, la petite sardine. Allez, viens par là. Ah, bien, pas bien. Ah! Un carpeau. Ah, bah voilà un petit bébé. Bon.
une partie de pêche qui se termine, bah moi je suis bien content hein, parce que c'était mal barré, hein, je m'en suis vraiment vu. Hein. Trouver les bons réglages pour prendre les poissons. Un coup le support de canne à droite, un coup à gauche, un coup en bas, un coup en l'air, ça a fini bah, quasiment à la verticale pour éviter que le corps de ligne se prenne dans la cassure où il y avait une branche ou je sais pas quoi, j'ai ramené plein de branches. Voilà, puis j'ai raté plein de touches aussi. Mais bon, je m'en sors pas trop mal, je suis bien content. Surtout, je me suis bien amusé, ça me fait bien plaisir. Bon, j'étais venu pour une pêche au flotteur plat, mais bon, c'est comme ça, on ne fait pas toujours comme on veut. Hein. On fait comme on peut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt pour une nouvelle pêche en vidéo. Peut-être à la bolognaise, à l'anglaise, ou au feeder, ou au cou, je ne sais pas. On verra. N'oubliez pas de mettre un pouce pour j'aime, d'activer les notifications, puis de vous abonner, ça m'encourage pour la chaîne. N'oubliez pas aussi d'aller vous inscrire sur Rivière Feeder et compagnie, le groupe des zinzins où on s'éclate à la pêche, et d'aller lire vos articles sur pêchefeeder.com. Allez, à bientôt pour une nouvelle pêche.